Bonsoir à tous. Une atmosphère plus douce, c'est en général une bonne nouvelle, mais ce n'est pas sans conséquences, particulièrement en montagne. En effet, la perturbation atlantique a ramené de l'air très doux, ce qui déstabilise les couches neigeuses sur les massifs alpins. Météo France a donc placé les départements de la Haute-Savoie, de la Savoie, de l'Isère et des Hautes-Alpes en vigilance orange pour risque fréquent d'avalanche ou de coulée de neige à basse altitude. Cette alerte est valable jusqu'à demain et à cela se rajoute une vigilance orange pour crue dans le Var. En effet, il a déjà beaucoup plu dans le département la nuit dernière et on attend encore des cumuls significatifs cette nuit. Alors la perturbation en cause prend beaucoup de place sur l'animation satellite. Elle va encore donner cette nuit du vent et arroser le sud-est, plus précisément le Var. Et à l'arrière, on voit pas mal de nuages qui circulent. C'est eux qui prendront le relais demain et ils donneront dès le matin un ciel chargé sur une grande partie du pays. Les éclaircies ne seront pas totalement à exclure. On aura quelques trouées de ciel bleu, mais il y aura aussi des averses et des coups de tonnerre. N'oublions pas le vent avec des pointes pouvant atteindre 90 km/h. Enfin, sur la façade est et en Corse, on sera toujours sous la perturbation, avec des pluies et de la neige à partir de 1300 mètres. Il y aura du vent également, un vent qui se renforcera l'après-midi sur le Cap Corse. Mais côté ciel, la perturbation aura quitté le pays et tout le monde se retrouvera à l'arrière. Le temps restera très nuageux, avec des averses de pluie et de la neige sur les reliefs. Encore quelques orages localisés et une petite poussée anticyclonique va dégager le ciel au pied des Pyrénées, sur le pourtour méditerranéen et en remontant la vallée du Rhône. Alors la douceur se maintient et demain les minimales seront largement supérieures aux moyennes de saison. Il fera entre 3 degrés à Mulhouse et 13 à Marseille et l'après-midi la hausse des températures va se poursuivre. Comptez 9 degrés à Langres, 12 à Paris et grâce aux éclaircies dans le sud-ouest, on sera 5 à 6 degrés au-dessus des normales avec 18 degrés à Biarritz. Alors cette douceur sera toujours présente dimanche et elle persistera la semaine prochaine. Malheureusement, il faudra aussi composer avec la pluie. Le temps restera humide, on espère une accalmie mardi, mais elle n'annoncera pas le début d'une amélioration. On restera sous l'influence d'un flux d'ouest avec une succession de perturbations. Ce soir, ne ratez pas votre série NCIS et tout de suite le journal de la rédaction qui revient en images sur les inondations dans le sud-est. Belle soirée à tous sur M6.